le premier classement et le premier sprint. Il n'y a pas eu de sifflet. Par conséquent, c'est la première élimination. Allez, on prend de la vitesse, on accélère, les coureurs, s'il vous plaît. Allez, on accélère, on prend de la vitesse. Il est où, là? Dernier. Mais si, il est sur la ligne bleue. Peut-être le cas, le départ de son randonnée. Non, mais c'est pas quand le vrai tour. Ah ouais, si, c'est chauffe, là. On cherche le sujet, c'est ça? On cherche le sujet. Allez, c'est parti pour les concurrents. Allez, tu vois. Il est mal placé, hein. Bah, je crois qu'ils ont pas compris que c'était parti, si. Ils sont partis, ou c'est pas? Ah ouais. Si, si, ils l'ont dit. Le tour qui va être maintenant mis en route pour... Je vais donner l'information aux coureurs. Bah, moi, ils ont 5 tours avant d'être éliminés. Allez, tu vois. Allez. Il faut qu'ils s'économisent. Voilà, on fait prendre l'ancien maintenant pour nous regrouper avec Jean-Baptiste, 32 ans dans ce groupe. Laura Carvalho aussi. Progressivement en vitesse, comme on dit, avec un peloton bien groupé, bien compact. Pour garder ça, il y a surtout les concurrents dans ce groupe. On a aperçu Robinson et Paul, plutôt à l'aise lui aussi, Baptiste Trentozo, Matteo Colsoné dans ce groupe aussi, avec Lado Sarmer 6. Remonte, Doudou, remonte encore. Ah, même, je. On remonte, on va vers plus. Hein. Les concurrents à 3 tours du premier classement. Par point, les de la première élimination, ça roule très très vite. Je peux vous dire que ils sont bien lancés, nos jeunes concurrents, qui pour certains participent depuis quelques semaines et par quelques mois aux épreuves du Star Challenge. On observe notamment, on reste bien en ligne, on ne passe jamais par l'intérieur, on va leur donner les dernières consignes. Je peux vous dire que maintenant, à quelques 150 mètres du premier classement par point, c'est en train de monter progressivement en vitesse. Je crois qu'il passe premier. On garde bien sa ligne, retourné par Mathieu Bettencourt. Il est à mon placé, la distance de vote qui observe, et puis tout à l'extérieur, là, il est passé au micro. Produit son effort tout en ayant un petit œil sur le côté gauche pour observer et faire un peu l'inventaire des forces en présence à quelques 250 mètres du prochain. Et allez, du... allez Mathieu. Allez, regarde bien ce qui est attentif, bien concentré sur ce qui se passe. Vas-y Lolo, allez encore, vas-y. Qui est en train de s'appliquer avec la machine de l'enfant dans son sillage, même si derrière, à l'extérieur, ça revient très très fort. Allez, on jusqu'à la ligne. Bien, il y a un point à allez, Matt. Allez, Mathieu. Le point sera pour Daniel Ménard. Élimination, malheureusement, pour le douceur numéro 5. Il est quoi? Il est 3 ou 4, ouais. Il n'est pas éliminé, c'est déjà ça. Voilà, prochain tour, il se passe rien. Mais deux tours, élimination et point à marquer. Je peux vous dire que ça fait arriver l'épreuve des organismes. Allez, on a un peloton essentiellement composé de garçons. Si on pouvait avoir une petite attention particulière pour celle qui porte le star numéro 9, Laura Carvalho, mesdames et messieurs, elle est pour l'instant en milieu de peloton, on va dire, tout à l'extérieur sur la ligne bleue. On va l'encourager ici au passage. Parce que allez, allez, Mathieu! Allez, Mathieu! C'est parti, bravo, elle est limite, évidemment. L'élimination, élimination par contre pour Matteo Rodriguez, le star numéro 3. Mathieu Rodriguez, c'était surprenant parce que je pense. Là, ils ont un tour, il a pas les moyens de démarrer. Après, il faut un tour de récupération. Oui. Mathieu Rodriguez, élimination. Aura. Ouais, je le sens mal. Le prochain tour, il y aura toujours un point à aller chercher. Avec allez, voilà. Alors, regarde, ça part maintenant. En double pas par le côté droit, hein, sur tout côté gauche, par contre, soyez bien, bien prudent. Allez, on a toujours la droite à la mesdames et messieurs, sur les tours, on va élimination pour le Serre 14, brilleux succès au Serre numéro 14. C'est ça pendant 5 tours? Non, oui, pendant, bah, pendant que tout le monde soit éliminé. Tout le monde soit éliminé. Avec des coureurs qui légitimement
vraiment éprouve le besoin de relever un peu le pied, parce que vous qui appréciez la piste, vous avez pu remarquer qu'ils sont sur un rythme très élevé depuis le début de l'épreuve, ce qui aura permis notamment à Laura Cavalla de se placer en deuxième position, mesdames et messieurs, dans ce groupe. Elle est en trou de chemin qui, sportivement parlant, n'a pas été très bien ce soir. Allez, Nounou, vas-y. Maman. Ça s'accélère bien évidemment, on garde sa ligne. Oh, c'est bien. Alors, on aurait été sur. Allez, vas-y. Allez, Mathieu. Idéalement placé. Oui, il a un point. Pour lui, élimination pour. Je sais pas ce qu'il a envie. Si, si, il a un point. Il est pas éliminé, c'est le premier, il a un point. Élimination. En fait, attends, tous les tours, ils doivent accélérer. D'abord, là-bas ils accélèrent. Voilà, vas-y, c'est pas compliqué à comprendre même. Ouais. Et le premier, le premier qui passe sur la ligne, il a un point. Et le dernier, il est éliminé. Allez, Lolo, allez, Mathieu. Mais il passe premier, tu crois, de la ligne. On est mal mis en face. Moi, je pense que le petit derrière, il est, c'est arrosé, quoi. Il accélère au bon moment. Ça fait 6-7 minutes en fait. 7 minutes à fond. Va faire un arrêt cardiaque. Les organismes sont à toute épreuve en cette fin de soirée et en fin de semaine, en tout cas pour ces jeunes coureurs. Allez, mesdames et messieurs, les encore une fois pour ce sprint et pour faire qui, malheureusement. Allez, Mathieu, allez, Mathieu. Le grand exercice de la Roi de la Valade, élimination partante du Nusra numéro 6, le Mathieu Colsonnet. Allez, mesdames et messieurs, il nous reste 5, d'accord? Et on peut observer et admirer, vous allez l'encourager ici au passage, la présence pour l'instant toujours de la Roi Cavalla dans ce groupe. Elle se sentait un peu seule comme demoiselle, elle nous démontre qu'elle a les moyens de lutter avec les jeunes gens ce soir. En tout cas, elle est peut-être le tout ça, on est heureux qu'il y a bon placé. À moins de 250 mètres de l'arrivée de la prochaine élimination du prochain à marquer, dès lors qu'on trouve son effort. Baptiste Trentaison, il a remplacé, qui a saisi bien évidemment l'opportunité de passer, de se placer. Allez, Matt! Allez, Matt! Regarde trop ce qui se passe derrière, non? Ouais, tout le temps. Bah, je pense que c'est pour voir s'il va, connu, s'il va en cogner un, non? Je sais pas. La Roi Cavalla, l'élimination. Points. Ouais, parce qu'il pédale pas. L'addition des points marqués et la position dans la course par rapport à l'élimination qui va déterminer bien évidemment le classement. Tout est possible. Allez, nous avons 4 concurrents maintenant, mesdames et messieurs. Baptiste Brandozo qui fournit l'effort avec notamment dans le sillage de Bétanco, match de Bétanco qui fait la pression de premier but des points. C'est un peu compliqué en tout cas pour un des quatre ici qui se voit irrémédiablement distancé. Le point pour Baptiste Brandozo devant le boxeur numéro 17. C'est pas oui, il est déjà dans le top 3. Ouais, c'est vrai. Du Nusra numéro 16 d'Ayane Vabrilla qui aura aussi marqué des points ce soir. Donc rien n'est perdu par rapport au classement général de cette deuxième épreuve. Allez, il nous reste 3 concurrents. Vous en roulez, Mathieu. Allez, Mathieu. Allez, Matt. Allez. La responsabilité est sur les trains devant. On a Bettencourt dans ce groupe en 3ème position. Et Julien Bourès. Oh là là, ça y est, les autres, ils vont la faire. Oh, oh non. Venir s'il va chercher le point, éviter la sanction d'élimination. Allez, c'est rien. C'est des sujets quand même. Allez, Mathieu. Pour Julien Boël. Voilà, deux hommes, mesdames et messieurs, deux jeunes coureurs. Patrick Talent, il est bien compliqué de faire les pronostics entre ces deux concurrents. Puisque nous avons Baptiste Brandozo, il est opposé ce soir à Mathieu Bettencourt. Voilà, ça se sert style tour de vitesse individuel, deux hommes pour un dernier sprint.
C'est le tour de récupération là ou c'est le... Non, là, bah, quand ils sonnent ça, c'est qu'ils peuvent y aller en fait. En tout cas, ces deux coureurs nous ont démontré qu'ils étaient plutôt. Allez, Mathieu!